Alors, Béat Hashem, le soir de ce matin de Parashat Chaye Sara, Rabbi Yitzhak Patach, Rabbi Yitzhak ouvre son discours avec un verset dans le Ecclésiaste, Shlomo HaMelech, Veyashuv Ha'afar El Ha'aretz, la poussière reviendra à la terre, Kshehaya, d'où ce qu'il est venu, Veyaruach, et le vent, ou la Neshama plutôt, c'est pas de Neshama, Tashuv El Ha'elokim Asher Netana, retournera à Dieu qui l'a donné. Tachazé, dit Rabbi Yitzhak, viens voir. Kad bara kutcha brichu l'Adam. Quand Hashem a créé l'homme, le premier homme, Adam. Quand Hashem a créé Adam, il a pris la poussière. On sait, afar mina Adama, il a pris la poussière. D'où il a pris la poussière? Dit Rabbi Yitzhak, mais atar de makdesha. Il a pris la poussière du Beth Amikdash. Là où va être construit le temple, la terre sur laquelle va se reposer le temple, Hashem a pris le morceau de terre. Et il a façonné Adam. Il a créé Adam. Okay? Mais pas seulement ça. Il dit ici, Rabbi Yitzhak, il dit ici, aussi, sache qu'Hashem bana goufé me arba citrine de Alma. Il est parti chercher aussi de la terre des quatre coins du monde. Il a pris de la terre là où ce que Beth Amikdash va être construit et il a pris un échantillon du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Dit Rashi dans le Chumash, Bereshit. Dans Bereshit, Rashi dit pourquoi? Parce que si Hashem aurait créé Adam, rien que de la terre de Beth Amikdash, là où de Jérusalem, en d'autres mots, Jérusalem, si cette personne décédera, après 120 ans, il se décédera, on va dire, en États-Unis, en France, en Australie, la terre l'aurait pas accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu l'aurais mis dans la terre l'aurait jeté. Le lendemain, tu l'aurais trouvé sur la terre. Parce qu'elle aurait dit la terre, hey, c'est pas de là que tu es venu. Va, retourne où tu es venu là. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il prend des échantillons du nord du monde, du sud du monde, de l'est et de l'ouest, pour que Adam soit accepté partout. Là où ce qu'il va retourner à la terre l'acceptera parce qu'elle ne pourra pas dire tu n'étais pas créé d'ici. Oui, il a été créé de là. Après dit Rabbi Yitzhak, une fois que le corps a été façonné, le bâtard, il traque à l'air, ruacha de chaye. Après, il lui a donné un souffle de vie, dont nous appelons la neshama. Adam se mit sur pied, et là, il pouvait marcher, il pouvait parler, il pouvait tout faire. Okay? Alors, il dit ici, regardez, dit Rabbi Yitzhak, regarde, le corps seul ne vaut rien. Parce que, regarde, une personne qui décède, le corps est là, les mains sont là, il ne peut pas rien faire avec les mains. Les pieds sont là, il ne peut pas se lever, il ne peut pas marcher. Les yeux sont là, il ne peut pas voir. Les oreilles sont là, il n'entend pas. La bouche est là, il ne parle pas. Donc, le corps seul ne vaut rien. La Neshama, c'est elle qui donne la force aux yeux de voir. C'est elle qui donne la force aux pieds de marcher, c'est elle qui donne la force aux mains de travailler, aux oreilles d'écouter. C'est elle qui fait fonctionner tout. Mais elle en elle-même, une neshama, prend-la seule, elle ne peut rien faire. Parce qu'elle a besoin de ce véhicule qui s'appelle le corps. Okay? Alors, dit Rabbi Yitzhak, après 120 ans, le corps, comme dit le roi Salomon, le verset qu'il a emmené, le corps qui est de la terre, où il retourne? À la terre. Et la neshama qui vient de haut, où est-ce qu'il retourne? En haut. Quand Hachem veut juger la neshama là-bas, elle dit, Hachem, qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, j'ai péché? Moi, je ne peux pas marcher, moi, je peux... Oui, mais c'est toi qui... Oui, mais moi seul, je ne peux rien faire. Alors Hachem fait appel au corps. Pourquoi tu as fauté? Moi, j'ai fauté? Moi, je suis là, regardez, je ne peux pas bouger. C'est elle, c'est la neshama qui m'a fait bouger. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met un dans l'autre pour le juger. Ça veut dire que le jugement céleste de l'homme après 120 ans se fait corps et âme. Malgré que le corps est enterré, mais c'est corps et âme. De là, vous comprenez, c'est important d'enterrer le corps le plus vite possible parce que ça retarde le jugement. Et plus que tu retardes le jugement, c'est... Alors, chas v'shalom, se faire incinéré, c'est pas qu'il n'y a pas de jugement. Ton jugement est en suspens, mais entre temps, les anges qui passent, chaque ange qui passe qui te donne un coup de pied. Hey, tu déranges.
Parce que tu es dans une intersection de chemin, là, deux anges. Et tu déranges. Alors, et chez les gens qui se font incinérer, c'est grave. C'est grave. Il y a des juifs, des gens qui ne comprennent pas l'importance. Ils vont se faire incinérer. Okay? Donc, chez le goyim. Okay? Et après, d'abord, si tu te fais incinérer, ta poussière, ça veut dire ce qui reste de toi, là, on n'a pas le droit de l'enterrer dans le cimetière juif. Numéro 1. Où tu vas aller chez le goyim? 2. Si tu fais ça, Dieu te punit doublement. Avec tout le péché que tu as fait, ça c'est le péché. Pourquoi? Le corps ne t'appartient pas. Le corps appartient à Dieu. Il veut te donner un neshama. Mais un neshama ne peut rien faire s'il n'y a pas de corps. Il te prête un corps pour 120 ans. Il te dit, voilà, je te donne un corps. Il donne un neshama. Je te prête un corps. C'est comme si quelqu'un, l'avdil, il dit à quelqu'un, je te prête une voiture. Ok? Va faire tes courses. Hachem lui dit, je dois envoyer un neshama sur terre. Mais comment il va aller? Il a besoin d'une voiture. La voiture, c'est le corps. Toi, tu viens, tu incinères le corps. C'est comme si tu as pris une voiture de location, tu l'as brûlée. Tu sais combien tu vas payer? D'abord, tu auras un dossier criminel chez la police. Deuxièmement, tu paieras plein prix pour la voiture. Et va savoir encore. Et se faire incinérer, has ve shalom, has ve khalila. Okay? Il y a un comme ça dans l'histoire, pas juif. Dans l'histoire, il y a un comme ça qui a fait parce qu'il voulait s'échapper de Dieu. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il a fait tellement de mal aux juifs, il a détruit le Beth Amikdash, il a tué des juifs, il a exilé les juifs, il a maltraité les juifs. À la fin, il avait peur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire dans son testament? Se faire incinérer. Et il a demandé qu'on divise la cendre en 7 bouteilles. Et chaque bouteille devrait être versée dans un océan, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans tout le Méditerranée, dans tous les océans. Comme ça, il dit que Dieu ne peut pas m'attraper. Comme ça, il a dit. Quand il est arrivé en haut, il dit, ah, tu veux t'échapper de moi? Tu rigolo. Hachem dit, tu sais qu'est-ce que je vais te faire comme punition? Chaque jour, je vais envoyer des anges ramasser ta poussière. Ils vont te reconstituer le corps. Je vais te punir et je vais te brûler et je vais te remettre dans la mer. Alors chaque jour, vous savez quelle punition grave c'est? Chaque jour, on le ramasse sa poussière. Ça veut dire, lui, il pensait qu'en mettant ça dans la mer, genre, tu peux t'échapper d'Hachem. Hachem le reconstitue chaque jour, au complet, il a un corps complet, il le punit, il le brûle, et il le renvoie encore dans la mer. Tu veux te faire incinérer, pourquoi? Okay? Question d'argent, question de religion, question de quoi là? Tu n'as pas le droit. Fais attention à toi. Fais attention, ne touche pas à ton corps. Il est loué. Okay? Alors le Midrash il nous dit ce matin, hein, le Midrash nous dit, alors le corps se justifie, moi j'ai rien fait, c'est la Neshama qui m'a poussé. Elle dit, non, moi j'ai rien fait, c'est lui qui a marché, c'est lui qui a parti, qui a mangé, qui a vu. Hachem prend le deux ensemble. Le Midrash il dit, il y avait un roi, il avait un jardin magnifique avec des arbres fruitiers extraordinaires. Mais il avait peur que ses serviteurs, les gardiens surtout, vont manger de cet arbre, de ces arbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qui seront le meilleur gardien? Un aveugle, un handicap. Un aveugle ne peut pas voir pour prendre. Il est là. Il peut sentir si quelqu'un approche. Alors il va crier, il y a quelqu'un qui vient. Le handicap, il peut dire à la personne, restez là-bas, mais il ne peut pas marcher. Il le ramène là-bas, il dit, ce de là, lui, il ne peut pas voir le fruit, il ne peut pas prolonger. L'autre, il ne peut pas marcher, il ne va pas prendre le fruit. Et ils sont là, en garde, tout le ensemble. Un, il dit à l'autre, tu as vu le beau fruit? Oui, mais je ne peux pas marcher. Alors, tu sais quoi? Il a dit, écoute, l'handicap, il dit à l'aveugle, écoute, mets-moi sur tes épaules. Toi, tu ne vois pas. Moi, je vais te dire où aller. Et je te guide. Tu marches, tu guides. Et on prend ensemble, on partage. Il dit, waouh, extraordinaire. Ils sont partagés ensemble. Ils ont mangé la moitié de jardin. Un jour, après quelques mois, le roi, il arrive. Aïe, tout ça, qui s'est mangé tout ça? Non, nous, on était là, on n'a pas vu. Peut-être les oiseaux. Ah oui. Il a réfléchi. Après, il lui dit, ah, j'ai compris le système. Tu te l'as mis. Alors, il dit, je vais mettre un sur l'autre, je vais punir ensemble. C'est comme ça qu'il fait Hachem. Hachem, il emmène le corps et la Neshama, il leur punit ensemble. Il leur juge ensemble. Alors, la Neshama ne va pas dire, ah, j'ai rien fait. Le corps ne va pas dire, j'ai rien fait. Ensemble, vous avez participé, alors vous êtes associés. Pour dire, voilà, ça c'est le discours de Rabbi Yitzhak. Amen, ve amen.